La 15e tempête nommée de la saison dans le bassin Pacifique Est du nom de Lidia va de toucher terre sur la côte ouest du Mexique au courant des 24 à 48 prochaines heures. Ça sera donc le 2e ouragan de la saison à toucher sur l'ouest du continent nord-américain après Hilary un peu plus tôt cette année et devrait entrer dans les terres mexicaines en étant de catégorie 2, donc des vents soufflant à plus de 160 à 170 km/h. Cette région du Mexique est d'ailleurs très prisée par les touristes, la région notamment de Puerto Vallarta, la pluie devrait être au plus intense à cet endroit exactement, avec plus de 200 mm localement qui pourraient tomber en moins de 48 heures. Les risques d'inondation sont donc bien présents, mais également les glissements de terrain. Plus près de chez nous, eh bien, on a deux zones à surveiller du côté du golfe du Mexique et de l'Atlantique au courant des prochains jours.